Juriste dans ma famille. Moi, je ne viens pas d'une famille de juges, d'avocats, de rien de ça. Et, ben, tu sais, quand tu finissais un cours classique, dans ce temps-là, tu allais en médecine. Moi, c'était hors de question. Je n'étais pas du tout bonne, je n'aimais pas du tout les sciences. En droit, techniquement, peut-être en architecture ou en génie, mais les filles, ça ne faisait pas partie de l'environnement culturel. Personne ne pensait à ça. Alors, le parcours le plus normal, il y en a qui allaient faire un cours justement d'école normale pour enseigner ou faire une maîtrise comme en histoire. Ou... Alors, je pense que dans ma classe, on est deux qui sont allés en droit, puis il y en a deux ou trois qui sont allés en médecine. Moi, je suis allée en droit, d'abord, je savais pas trop ce que c'était. Pour moi, c'était la continuité comme d'une éducation générale. Je m'intéressais beaucoup au journalisme, aux affaires publiques. Je sais même pas s'il y avait des écoles de journalisme dans ce temps-là, mais tu sais, on disait... le droit mène à tout, pourvu qu'on en sorte. Alors, pour moi, c'était l'idée juste de continuer à étudier, surtout dans des questions d'intérêt public. Ça, je ne m'intéressais pas du tout aux affaires, je ne me suis jamais non plus tellement intéressée à cet aspect-là du droit.